Je suis ici au large du Panama, où vient juste d'être découvert ce qui pourrait être le cercueil du légendaire explorateur Sir Francis Drake, qui a été jeté à la mer il y a plus de 400 ans. Tu es sûr de vouloir profaner la sépulture de ton ancêtre de cette manière ? T'as l'air de trouver ça horrible. Au fait, depuis quand tu me crois ? Ben, j'ai fait des recherches, et apparemment, Francis Drake n'a jamais eu d'enfant. Les historiens se trompent parfois. Par exemple, on ne profane pas un cercueil vide. C'est pas vrai! Petit filou. Qu'est-ce que c'est? Allez, montre-moi! Non, pas question. On a parlé du cercueil. Point barre. Attends une minute, si mon émission n'avait pas financé cette expédition, tu... T'as eu ton scoop, chérie. Écoute bien, Drake, t'as signé un contrat. J'ai le droit de voir absolument tout ce qui... On peut reparler de ça plus tard. Sully, on a des ennuis, mange-toi. Ok, qu'est-ce qui se passe? Des pirates. Des pirates? Ouais, des pirates modernes. Ils font pas de prisonniers. Enfin, pas de prisonniers hommes. Mais de quoi tu parles? Tu crois pas qu'on devrait appeler les autorités? Oh, c'est une super idée, mais on n'est pas vraiment autorisé à... à être ici. Quoi? Ouais, si tu veux pas finir dans une prison panaméenne, on devrait s'en occuper nous-mêmes. C'est quoi le pire? On voit bien que tu ne connais pas les prisons panaméennes. Tu sais te servir de ça? Ouais, c'est comme une caméra. Faut juste... je vise et j'appuie, c'est ça? Parfait. C'est parti. Eh bien, salut à toutes et à tous les amis, c'est Juju39. Et on se retrouve pour un tout nouveau épisode sur Uncharted Drake Fortune. Et je suis très content de vous retrouver. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances et tout va bien pour vous. En tout cas, moi, c'est le cas. Donc, petit récapitulatif. Donc, j'avais proposé deux votes entre Uncharted et Bayou Bayville. Je suis très déçu du peu de votes qu'il y a eu. En tout cas, merci aux gens qui ont voté, hein, même s'ils sont deux. Enfin bon, c'est pas grave. Et donc, de toute façon, dans tous les cas, c'est pas grave, hein, je ferai les deux jeux comme promis. Ah non, je crois pas. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc ça, ce qui concerne ce jeu, je vais le faire en mode normal. Donc, pas spécialement de difficulté, ni de facilité. Hein, je l'ai fait qu'une seule fois ce jeu. Pareil, c'était en mode normal aussi. Et du coup, excusez-moi, j'en chie un petit peu en même temps, voilà. Et donc du coup, je vais essayer d'en profiter pour récupérer tous les trésors. Voilà, donc grand challenge. La fois où je l'avais fait, j'avais vraiment tout fouillé, hein, il n'y a pas si longtemps, donc je me rappelle à peu près où ils sont, bon pas tous, mais je vais essayer, voilà. Voilà. Donc là, je dirais que c'est un très joli jeu, magnifique. Oula. Oh mon dieu, Greg! Tout le camp, laisse-moi tranquille. Oh. Ah, ça craint là. Qu'est-ce que c'est? Il est où, Sully? Ah, il arrive. Allez, Sully! Je peux dire adieu à ma caution. C'est quoi donc? Oh, Dieu merde. Voilà. Putain, j'allais dire si part sans moi, ça va pas le faire. Le bateau va sauter, faut qu'on plonge. Enfin, c'est pas grave. Attends. Mais qu'est-ce que tu fais? Ok. Allez, c'est bon. J'en fous de la caméra, ouais. Ok. Yo, magnifico.
Je peux pas te laisser seul une minute, mon pote. Eh, hey, j'avais la situation en main avant qu'il fasse sauter le bateau. Tu vas bien? Quelques années de thérapie, ça ira. Je reconnais bien là la belle et talentueuse Elena Fischer. La flatterie vous fera passer à la télé. Eh oui, je suis plutôt du genre à travailler dans l'ombre. Victor Sullivan. Oh. Ah, c'est pas vrai. La galanterie, mec, la galanterie. Est-ce que vous diriez de partir avant qu'on se fasse à nouveau remarquer? Bonne idée. Bon. Ça, c'est un petit cadeau de Sir Francis. Alors, t'as trouvé le cercueil? Petite minute. Est-ce que c'est ce que je crois? Ah, le journal perdu de Drake. Il a simulé sa mort, comme je le pensais, celui. Il devait être sur un gros coup. Ouais, bon, sans garder ça pour nous. Merci beaucoup, monsieur Drake. Je crois que j'ai bien mérité de jeter un petit coup d'œil à ce journal. Écoute, alors qu'il naviguait dans le Pacifique, Drake prit la flotte espagnole par surprise. Il captura leur navire, il prit leurs cartes, leurs lettres, leurs journaux. Et il reporta tout ça dans ce journal. Alors, mais, de retour en Angleterre, la reine Elisabeth confisqua tous ses écrits de voyage, y compris ce journal. Et elle fit jurer à tout l'équipage de se taire. Oui, alors ça... Tu vois, Drake a découvert un truc lors de ce voyage, celui. Quelque chose de si secret et de si important qu'il ne pouvait pas l'émouetter. Ok, Ned, imagine que tout ce que tu me racontes ne m'intéresse pas et viens-en directement au fait, ok? Ah, c'est ce qui s'appelle aller droit au but. Tu dois avoir du succès avec les femmes. Disons qu'elles se plaignent pas. Ok, alors passons aux choses sérieuses. Prétentieux. Oh, oh, oh. Hein? Ce foutu Eldorado. Il était sur un gros coup, hein. Il dit autre chose? Oh, alors maintenant ça t'intéresse? Ouais. Eh bien malheureusement non. La dernière page a été arrachée. Je te le dis, celui. Ça y est. Cette fois, ça y est. Ouais. Seulement, on aurait comme un petit problème. Oui, c'est ce que j'ai dit, il a sauté. Il a coulé. Non, c'est pour ça qu'on a une assurance, non? Non, la caméra, non. La caméra, ça va. T'inquiète pas pour elle, hein, non? Elle est comme neuve, t'inquiète. Sully, la fille sait se tenir. Tu l'aurais vu. Bien, alors va dehors et dis-lui, on vient juste de trouver la cité d'or. C'est son producteur qui va être content. Oh, c'est bon. Ned, tu me fais confiance? Plus ou moins. Bien, parce que le premier blaireau venu va vouloir faire la course au trésor contre nous, à moins qu'on se débarrasse d'elle, tout de suite. T'es un vrai gentleman, celui. Je sais. C'est nul. Elle s'en remettra. Non, je me fiche qu'on dépasse le budget. Écoute, tu te rends compte que ça pourrait être la plus grosse histoire de l'année? Salut. Non, j'ai pas confiance, ok? C'est pour ça qu'on doit faire vite. Envoie-moi l'équipe de tournage, et je te promets que je vais pouvoir... Les enfoirés... Hé! Bah vas-y à la nage. Évidemment, j'aurais dû m'en douter. Et nous voici dans le second chapitre du jeu, à la recherche d'Eldorado. Oh! Attends. Attends, petit. Je suis plus tout jeune, tu sais. Mais t'étais assez jeune pour cette serveuse bon, à Lima, alors, pas vrai? Ici, ah, il me semble... Mais ma foi, il me semble... tout aussi épuisant. Allez, tiens bon, mon vieux. On est presque arrivé. Tu sais, ça me rappelle... Je t'ai déjà raconté... Il me semble la qu'il y a un trésor dans le coin, une fausse statuette du 16e siècle, si je dis pas de conneries... Ah, t'étais plutôt culotté. Mais le temps qu'il réalise était... Mais est-ce que tu m'écoutes? Je non, bois pas tes trop. Paroles. Et pourquoi je me fatigue? Je sais pas où c'est qu'il y a... Il me semble qu'il y avait... Je suis persuadé qu'il y avait un trésor dans le coin, là. Ah,
Ben voilà. Ça, c'est fait. Alors, ensuite, ensuite. Ah bon, on va continuer la route. Tu crois vraiment que Francis Drake est venu jusque-là? On est à des années-lumière de l'Angleterre. Il est vraiment joli comme jeu. Alors? Je comprends pas. D'après ça, on est pile au bon endroit. Peut-être que tu sais pas lire ce truc. Fais voir ça. Non, c'est bien ici. Y a rien ici, Nathan. C'est encore une impasse. Mais calme, Sully. Relax. Jette-toi un coup d'œil. Alors, bon, je vous avoue que je suis un peu paumé. Quand même. Hein. Ah, c'est pas vrai. Autant chercher une pucelle dans une maison close. Ouais. Pas mal la réplique. Je l'avais oublié celle-là. Voilà, ça c'est mieux. Ouais. Si tu le dis, si tu le dis. Que c'est, non, c'est plus vieux que ça. Je dirais 2000 ans de plus. On peut monter quelque part là. Ah purée, ça me saoule. Me rappelle plus. Je sais que pour monter quelque part, mais où? Ah, bah ici. Tout simplement. Ah oui, puis il y en a un autre, je crois, aussi sur les hauteurs là. Sauf que j'ai vu un truc par voilà. Là, derrière l'arbre. Rien pour l'instant. Impeccable. Derrière l'arbre. Hop là. Comment faire pour y aller? Hé, hey, il a l'air bizarre le sol en bas. Ouais, effectivement. Voilà. Nickel. Fais gaffe, Sully. On doit trouver un moyen de casser ça. Hop, 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 hop là. Ouais, c'est bon, je me rappelle ce qu'il faut faire. Pour le moment, ça va. Voilà. Bon travail, petit. Maintenant, comment redescendre sans se péter la gueule en bas? Ça va. Allez, go. Hein? Il y a une torche ici. Oh, oh, oh! Eh, rien, c'est que des chauves-souris. N'aie pas peur. Ah mais je kiffe ce jeu en vrai. C'est charmant et accueillant ici, hein? C'est pas vraiment ce que t'avais imaginé, hein? Ouais. Il est où ce trésor? Ah, cet endroit a été pillé il y a des siècles. Ouais, par notre bon vieux pirate. Non, c'était pas Drake. Regarde ça. On dirait que les Espagnols sont arrivés avant lui. Oh. C'est quoi ton problème? Nathan, je cherche pas un vulgaire bout de ferraille. Je suis endetté jusqu'au cou. Je comptais vraiment là-dessus. T'es encore trop flambé à l'image, pareil. C'est vrai. Et puis il faut dire que sur ce coup-là, j'ai mal joué. Tu sais, je t'ai toujours dit de faire attention aux mauvais garçons. Et aux filles aussi. Ouais? C'est toi qui dis ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Cette journaliste. J'ai bien vu comment tu la regardais. Elena? Arrête.
J'ai plus aucune chance avec elle depuis qu'on l'a abandonnée sur les docks. Tous les coups sont permis en amour, gamin. Ah, et si jamais elle pensait pas comme toi? Eh ben dans ce cas, petit, t'es dans un sacré pétrin. Ouais. Les Espagnols ont laissé un sacré bordel derrière eux. Sois prudent, Nate, ça fait une sacrée chute. Sans blague. Oui, comment on fait là? Ah! Ça va marcher! Ah! Ah ouais. J'ai failli le rater celui-là. Alors, où c'est qu'il faut que j'aille maintenant? Ok, laisse-moi faire ça. Vas-y, bah fais. Je vais la maintenir ouverte. Va voir si tu peux la coincer de l'autre côté. Allez, on y va. Ça devrait tenir. Rouille-les. Ouais, effectivement. C'est vraiment pas passé loin. Espérons que cet endroit a une porte de derrière, hein? Tiens, ça me dit quelque chose. Je crois que Drake en parle dans son journal. Ah. Alors, voyons ouais, voir... ici. On dirait une sorte de lampe ou de brasero. Regarde si tu peux l'allumer. Alors, on critique mon cigare, mais finalement, on est bien content de le trouver, hein? Bon, enfin, fume pas trop quand même. Ah, pas bon pour la santé. Yes. Ouais. Alors, et maintenant? Ah. Sacré bordel, hein. Allez, hop, ça c'est fait. Un fail. Ça commence bien. Avec 30 ans de moins, j'aurais peut-être réussi à faire ça. Wow, wow. Hop là, hop là. Yeah. Impeccable. Ensuite, il y a... Comment on peut le faire descendre, l'autre, là? Ah, je crois qu'il y a des... Ouais, il me semble... Ah, voilà. Dépêche-toi. S'il te plaît. C'est quoi ça? C'est rien? T'arrives? Ouais. Yep. C'est vraiment magnifique, hein. Putain, moi j'adore, hein. J'adore. Et maintenant... Et maintenant, bonne question. Tu crois que ça met nous? Attends, je reconnais ces symboles. Ah.
Yep. Il faut respecter l'ordre de ces symboles. Alors le 1, c'est l'espèce de... On va dire de carré, mais bon... qui est où d'ailleurs ? Attends, il est où celui-là ? Ah, il est là ! Alors lui, faudrait l'activer en premier. Yeah. Ensuite, en deuxième, donc c'est le Maori là. Ah, c'est tout du Maori, on dirait. Alors, enfin, je connais pas trop. Non, pas ça. Ça. En deux, c'est là-bas. Et en 3. Ici. En 3, en 4. Moi j'ai dit en 3 ou je sais même plus. Enfin bref, en 4 c'est ici. Ouais, on dirait qu'il y a une échelle sur le côté. Attends ici, je vais voir. Bon, sois prudent. Hé, hey, fais attention, tu mets les pieds là-dessous. On va dire que c'est bon. Oh, yep. Ça mène quelque part. Y a rien là. Non, y a rien. Bon ben là, faut, je crois qu'il faut sauter. Ah, me dis pas que tu vas nager là-dedans. J'en ai vu d'autres. Ah, je t'ai vu. Impeccable. Attends. Qu'est-ce que je fous, moi ? Ah si, c'est ça, ouais. J'y suis. Je suis de l'autre côté. Ouh là là. Voilà. T'es où ? Là ? Bien joué ! Voilà. Et donc je fais une sauvegarde. Et nous allons nous quitter pour cet épisode, les amis. Et je vous dis à la prochaine pour la suite de ce chapitre 2 à la recherche d'Eldorado. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à aimer, à commenter et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous dis à la prochaine, les amis. Ciao, ciao.